définitivement, jeté et abandonné définitivement son manteau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est étonnant que Bartimée se dévête publiquement pour venir à Jésus. Nous voyons dans ce geste une détermination de sa part. L'aveugle jeta son manteau. Il n'est pas dit, il plia et le posa à terre. Il aurait pu craindre qu'il lui soit volé pendant qu'il se rendait auprès de Jésus. Non, il le jeta certainement pas devant lui, mais assurément comme quelque chose dont on se dépouille, qu'on abandonne définitivement. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il fallait abanga que non, m'entendre dans un petit camo awa, bako pe oui bayango, bako pe kozwanga ngo. Tant on a oya, na okuta yamote. Mais il y a yebaki ke, nenge nazo ke ne pa ya Jésus, Jésus a osala quelque chose. Donc il faut na boa ka yango, na abandonner yango définitivement. Na kozonga yango le sosote. Na kota na le sosimate. Na kei. Et ça na batu mousse, c'est belé bandeko. Abandonner yango sambela, lelo. Par imprudence, ba landa ba matin ba sataniste ba vendre la banda ko ba sambela la société. Ba ko ba ko lobaka ah ba pasteur ba loyo ba ba tu e belé ba zo yaka wana ba zo salaka o pasteur mo akena mwasibo o pasteur mo ka sokoli basibo o pasteur mo ka sokola basibo lombo o pasteur mo ka salabo ba zana ba ko ba pasteur te eza bato ba eko combattre christianisme yoza esprit mo ba be esprit ya nini. Pasteur a sokolaka moi cité atika la sambilamba ba no sokolaka e non à moins que base la moi c'est non bali pasteur a sokola moi cité jamais mais bango ba koyana biloko na ba asokolie boy asalie boy nzoka ne bango baza ba sataniste baza ba pasteur te alo tango ba koyana mona YouTube ba lobelengo yo poza mayele te obosani ke za komba o tia na mutu na yo okima église. Jour malade et banoye la yo, obanyo zonga sikoyo, et pa isata finga kayo ke oza mandia. Ale, obani ko lukasiko pasteur dinabanza. Bozo ye bele, na tout la yon wale, bozo sambe la kawabe. So ki nan lingi na zyo, so nan gite la fandi, parce que pasteur na za oblige ya kobondi la pou na moutinyo sote. Foko yiba la Bible. Ah, ba pasteur mbouloyo, ah, ba pasteur, pona nini? Ba sataniste ba ifongona ba ya mission na bango ko combattre ba pasteur siko yo yo lokolo zape maboko makasi lokolo zape obandi ko landa bango mais jour maladie ko zoyo obandi ko ba pasteur mais pourquoi continuer kunate parce que ba oyo wana bazolo baka o pasteur akinegi boy o soki yo beli akoko deliver hotel mais avant de deliver ndengini parce que ye azamo limo santo te ko deliver ndengini o. Mais soko yoki muta uti kakao, na ke nazara kuna basega nga, na boya ki nanga, yo sepeli pwa yeko kosa yo. Eske iya kolo bilo verite, pa iya uti, verite za kuna? Atuke za mawa mingi ya soki, ozo muna mutu mususu atanga na ete, a uti na mota tenebre, yo leke kutu na niloba, o leke na makabu wa klasi, ovanipe, ovaniko landaka yo wedo bengi musala nzambi. Atuke za mawa puna bino ha? Eza mawa puna bino ha? Osomo na mtu mimba, po na kwa interprete parola zoku kati. Ale usuka na mwondi yenge nini? Bakumu wa batu. Lobi Carlito, lobi Baka, lobi Kingani, lobi tous les jours. Mea lupa ina mbili na za Musa Lanzambe. Musa Lanzambe yaka na Bible. Po na kushanje batu. Musa Lanzambe yaka te, miko yosu bakumu wa batu. No. Musa Lanzambe, suka nungota na bakumu wa batu, azako denonse, ba oba zoku bima na niloba, naba verse biblike. Tala makamu nanganyo soa. Soko mouni nga na ye. Yeba ki verse biblique. Nako sisa makamu te sa verse biblique. Nako sisa mwote. Ye wana mwoso mwona ke. Ba pasteri oyo ya libanda. Owa za ba kongolete. Landa bango.
au monde va critiquer ba Marcelo, va critiquer ba Baka, va critiquer ba Dani, sauf nga. Pourquoi va critiquer nga te? Batala batay nga te. Tant batala ti balandi ba bino yete. Et jamais mouto ko critiquer maté ya dinga na zo te ya boy. Mouto ya critiquer ngolo bakisa mabete. Amona, a ti la mona na te. Jamais mouto ba bengi mosala ya nzambe ya solo prophétesse dini. Aya ko sa témoignage ko wala za pasteur ya lokuta. A ko ti la ozala te. À côté, ce qu'on s'appelle la Zamba, c'est le nom de la Zamba. Alors, messieurs, frères et sœurs, tant que vous avez Zalane est Bartimé. Bartimé a Télémi qui est Bela Akei. A Tiki, a moi, a Tiki. Vous avez le Kolomoko Nakati, le Kolomoko Libanda. Le Kolomoko Nakati, le Kolomoko Libanda. Et tant que vous avez dit que ça ne va pas, vous avez le Lukanga. Tant on une église no kima kima bonza parce que beaucoup makasi bato ba futira kombongo ya sal yo ya osambela mais so kimi pana ngosa lepe le côté awa ne ko semete awa pe oseme o sel le côté ou bien ozonga pa oké tu o menoku makabwe o mené via nioka mes chers frères et sœurs nous sommes à Jéricho. C'est une ville située à 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il fait chaud, même très chaud, pendant la saison d'été. 40 à 50 degrés. Bandeko, Jéricho est une ville moko. Ils ont été na se yamai. Na kolo ba neti ba pepe neti ba Hollande. Donc, na été koune sa na ba 40 à 50 degrés. Alors que là, ta manteau, n'a pas moyen de nous, il faut zala. Nous sommes à Jéricho. C'est une ville située à 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait chaud, même très chaud pendant la saison d'été, 40 à 50 degrés. Il y règne vraiment un climat tropical. Le port d'un manteau dans ces conditions n'est pas l'idéal pour s'habiter dans cette ville. Moi, je suis un manteau. Ah, je suis faux, Alain. Moi, je suis un manteau. Au vent, je suis un place où je suis un boy, je suis un bongo, je suis un mona, je suis un peu de solo, et ça va être un peu de temps. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qui représente le manteau de Bartimé? Que représente le manteau de Bartimé? À cette époque, les aveugles portaient un manteau, ce qui permettait de les reconnaître, de les identifier pour qu'ils reçoivent le monde. Donc, aveugle, un moment où on est là, il faut manteau. Manteau, il y a des signes. À partir de manteau wana oyebaki avec les wana, il faudrait nous payer un bon. À partir de manteau, même aux amusika, son monika lati manteau wana na été, même n'était Hollandais, on oublie à y wana, au tiers du côté du bon rapport choqué, on paye quelque chose. À se dépouillant de son manteau, Bartimé se dépouille de sa situation d'aveugle et de mendiant. Qu'au bois qu'un manteau wana. Bartimé a bimi na situation ya aveugle na ya ko senga ka bambongo ya ko zala mandia. Tango a bwaki yango abandonne manteau, abandonne nyonso. Il abandonne et renonce à sa source de revenus, c'est-à-dire RMI de l'époque. O ba bengi le na français wa RSA. Il manifeste qu'il veut changer d'identité car c'est son manteau qui lui permet d'être reconnu. Il a vraiment décidé de changer son gagne-pain, sa source de revenus. Il décide de sortir du rejet, de l'amertume, de la crainte des hommes, du jugement. Quel péché ses parents ont-ils pu commettre? Ou lui-même pour qu'il soit dans cette situation de la culpabilité? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Bartimée était enfermé dans les cercueils spirituels. Il était dans les ténèbres physiques, mais aussi spirituelles. Il est aveugle physique, mais aussi spirituel. Frères et sœurs en Christ, quand on est aveugle physique et spirituel, il y a l'endurcissement de cœur par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. Neko, ebele, bomona buta pour la bango, bazaba aveugle spirituel. Bazaba aveugle spirituel. Mais Bamsous bazaba aveugle physique. Mais Bartimée était aveugle spirituel en même temps avec le physique. C'est grave. Et Bélé, ce sont des aveugles spirituels. Ils sont dans les cercueils spirituels. On a un pasteur, on a un église. Donc, pour nous, Jésus-Christ, il n'y a pas de porte, l'église, il n'y a pas de porte. Il n'y a suivi le pasteur. Jésus a sala a tia ba sali na ye oyo bino boko se confier na bango ndenge na lobia wa na Bartimé na zo ebele ya tulimo banda deliverance wa bitele lote lobi lobi ko kito mo sala boye na bin mama ndeko lobi obosa ne lokote ezene loko mo zo bloquer biso la la lobi. Lobi na ngomona mona nzambe lobi amite li eloko ezali menazo kwa soni ka se délivrance aux andeli. Il faut to bouke loko wana, faut to briser yango, faut to couper ba alliance wana. Ozo tamona na ba alliance. O tamona na ba iniquité ba parents. Nombre 14 et 18 lobini. Ba iniquité ba parents na yo e ko landaka kaka yo. Yango yango zo bozo souffrir lelo na masomo kutu oyo sala na yo te. Bible lobi miso bako souffrir bakoko bakokolo jusqu'à 4e génération moko za na 100 ans donc tant mousou binozo souffrir na 3e génération donc bato bakufa kala 300 ans eleka ibino bino souffrir na lelo pona nini parce que vanda na ndaku oligolo ko passer na solote oyo bako briser ba alliance wana allez sikou ba sataniste bako ya ko yebisa abia te existe kate omoni satana ye musa na ye au contredire là où nous prêchons la bonne nouvelle et ils viennent semer des mauvaises graines. Foye bali loba Bible sur ba nyoso et ils viennent semer des mauvaises graines là où nous prêchons la bonne nouvelle de l'évangile. Akoyal bia malédiction existe à té bana na ba sa voiture bana na na boye allez yo pon dimi lobi ah isa solo a sepeli. Oyebite ke ya osala la musala na ya satana, ndenge biso to osala musala biso nzambe, ye peza ministre la satana. Il faut osala musala ya musala na ye. Ndeko, nga na osala musala nga. Soki yo pa yo osala yo finga nga. Metango lalaka, osala na kimi atepo, conscience na yo ezo komoni so pasi. Olobi non, azo prêcher mais il va solo ngai na bandoki pai balalaka balo bagate lilobeli parce que na jamba bandoki bele koma o balanda ba sanga pananga nazana moko na ale misala na nini na babinga oni après c'est vrai bon c'est comme non solo pensé matéya téya il prêche bien mais ali ngotika misala te ana don ya ko prêcher mais ngotika misala te après gare ya c'est vrai mboko elandi wana azana don ko prêcher parole azapena mwasi ko lingi di loba mais ali ngotika misala te soit tiki misala azana kana biso ako changer bato parce que ayebi di loba ayebi soko bo il était évangéliste à l'époque nangai. Donc ce qu'on boisse mal au pessier à co prêcher qui toque au sepeli. Mais ligne tika misala te. Tika misala ndeko. Tika misala. O prêcher ba nzambe. Ba nzambe leke belé.
Bah vrai pasteur bazate. Bartimée était enfermé dans les cercueils spirituels. Et Zana Batiti le bazate toujours enfermé dans les cercueils spirituels. Il était dans les ténèbres physiques, mais aussi spirituelles. Il est aveugle physique, mais aussi spirituel. Frères et sœurs Christ, quand on est aveugle physique et spirituel, il y a l'endurcissement de cœur par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. Luc 18, 35. Revenons encore. Nous allons lire dans l'évangile de Luc 18, 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth, et cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Certainement, Bartimée avait entendu parler des miracles de Jésus accomplissait, que Jésus accomplissait. Sa foi s'éveille dans son cœur. Mes chers frères et sœurs, la foi vient de ce que l'on attend et non de ce que nous voyons. Romains 17. Romains 17. C'est le cas de Bartimée aveugle. Il ne peut voir, mais seulement attendre. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais Bartimée ne voit pas. Mais il attend. Il dispose son cœur à croire. Il croit dans les choses invisibles comme si elles étaient. Il a entendu. Ses oreilles ont entendu. Il se contente pas seulement d'écouter. Il croit en Jésus. C'est le point important. C'est le point important. Autre point important, c'est lui qui décide d'abandonner son manteau en toute liberté, sans aucune pression. Autre point important, c'est lui qui décide d'abandonner son manteau en toute liberté et sans aucune pression. Neko, tant que vous avez dit que Jésus Massia, l'oukaye en toute liberté, que l'oukate vous a obligé, ok, ça l'a. Non! C'est lui qui prend sa décision. Il jeta, il abandonne définitivement et il est sur le chemin de Jésus-Christ. Il décide que rien ne vient entraver l'œuvre de Jésus dans sa vie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Bartimée manifeste une belle démonstration de foi en se dépouillant pour aller jusqu'à Jésus. Bartimée ne s'est pas approché de Jésus. Il s'est exposé, ouvert à Jésus. Il s'est laissé sonder par Jésus dans sa nudité sans rien cacher. Ndeko. Yom to bomba ka, okute na musa nzamba ya solo, okomiko bomba, okomiko bomba, okomiko bomba, eko kwe ila bana na yosu yo kufyo kenango. Nzamba asal a ede yo, alubi kutana na pastel Jacques Dinabanza. Fongula motema, ninge Bartimea fongula ki. Me yo lingi, oke, okay, okota nanon hôpital bongo oya kuduka pastel Dinabanza, wane tali yo. Sengi bakufia, ah, nalinga koya, me basa la koya, misyo moko yon akima ka, ah, sikoyo, mousousou, docteur Arabine, bon, c'est fini, ok, na nini, sa palliatif, ou bien, nandako, ou nandako, kenoze la ou nandako. Cinq. Alors, batouwa na misousou, ou mouni ndeko, kouza la masoumou, moko boye, bagateke zaka lissoumou, epa na yo. Ke a cause na yo, batouwa na baso koufa.
à cause na yo batu na zokufa mais yo yebi de sou mangote tangaga nombre 14 et 18 Bartimée ne s'est pas approché de Jésus, il s'est exposé, ouvert à Jésus, il s'est laissé sonder par Jésus dans sa nudité sans rien cacher. Yo kosalaka mubali ndoki, mais yo moko mibombaka. Ma be oyo salaka kindoki te ba beze belé oyiba mumbongo abatu. O sala makambe belé ya monezo ila, okene pa banganga, ya monezo ne tombe pa na yo, mieux kosila batu mususu. Fongola, fongola motema. Lisons dans le livre de 2 Chroniques 7 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bongo soki batonanga, batonanga, batoya ekolo, oyo na pesi kombo nanga ba mikitisi pe ba bondeli soki ba lukinga pe ba tiki banzela na bango ya mabe nga yawe kuna na likolo na kolimbisa masumu na bango pe na kozongisa bolamu na mboka na bango. Repentance, confession. Jésus ne pouvait qu'honorer sa foi et son cri. Bartimée savait que Jésus allait agir. Jésus est le rémunérateur de notre foi. Le dialogue s'engage entre Jésus et Bartimée. Jésus, que veux-tu que je te fasse? Jésus lui dit, Bartimée, Rabboun, que je recouvre la vie. Précision, hein? Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus. Maintenant, il ne se contente pas de rester assis désœuvré sur le bord du chemin. Il se tient debout et marche dans la voie de la vie en suivant Jésus. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas retourné prendre son manteau. Le plus étonnant, Bartimée n'est pas retourné prendre son manteau. Pourtant, des personnes de la foule ont dû citer. Hé, Bartimée, tu oublies ton manteau. Hé, Bartimée, tu polis la nature en laissant ton manteau. C'est vrai qu'il devait sentir mauvais ce manteau. Mais Bartimée, qu'est-ce que tu as? Mais yotiki manto na yo zo manto na yo. Bartimée, mais manto yotiki na tamikonyo so ezo luba solo. Bartimée yaka zo manto. Yaka yaka zo manto Bartimée. Bartimée bi nani? Nga yoyo eh. Ah, bo baby na bino. Nga na sina landinze la oya nga nakozonga simate. Nakozonga simate. Bartimée devant. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas retourné prendre son manteau. Pourtant, des personnes de la foule ont dû crier. Hé, Bartimée, tu oublies ton manteau. Hé, Bartimée, tu polis la nature en laissant ton manteau. C'est vrai qu'il devait sentir mauvais ce manteau. Maintenant, Bartimée suit Jésus sur le chemin sans laisser influencer par les remarques des uns et des autres. Bartimée lobina bangoke, oh, bozolo bawana, et ça, bilobela, nazongi la manteau, oh, et banego lumba solo, ngayoyo. Lelo na baniko mona, na bimi na bohumbu nyonso, na kozonga sima susu te. Maloba obino zoloba wana nyonso, ezala mbilobela ngaite. Il fortifie ses muscles spirituels. Bartimée rentre dans les choses nouvelles de Dieu. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. De Corinthiens 5, 17. Et quand on est une nouvelle créature, on applique immédiatement Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour se sentir. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire que la vérité. Maçon Jésus a bisauté. Revêtez la cuirasse de la justice.
Yoka, Ephésiens 6, 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Cela veut dire que dès qu'un enfant de Dieu, dès qu'un enfant de Dieu accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il renonce à sa propre justice. Il renonce à sa propre justice. Si la Bible dit de pardonner, il pardonne. Si la Bible dit qu'il ne faut pas appliquer la calomnie, il ne peut pas. Voilà, il y a les bossos au bâtiment yango. Oyo moni ba sataniste ba kwa ngote. Vérité na justice. Ba sataniste ba te yagamourte. Parce ba kwa te. En suivant Jésus, il sait qu'il trouve salut, justice, délivrance, vie éternelle, vie en plénitude, en abondance, guérison. Maintenant, posons-nous la question, que serait devenu Bartimée s'il n'avait pas abandonné son manteau ou s'il était retourné le chercher? Il aurait peut-être reçu la guérison physique, mais sa vie intérieure, son cœur, n'aurait pas été changé. Il ne serait pas devenu le nouveau Bartimée qui maintenant va travailler pour vivre et devenir disciple de Jésus. Il y aurait eu un combat dans sa vie, sa guérison. Il ne l'aurait pas gardé. Sa guérison, il ne l'aurait pas gardé. Les doutes seraient installés dans sa vie. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela, Paul, dans son épître d'Éphésiens 4, 14, il dit, ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Ne soyez plus des enfants, Virgile, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Deco. Nini liye ko leka, soki Bartime azongi la ki manto wana. Alinga ko zala susu, disciple à Jésus-Christ te, komba, yama be, nga wile na vi, balongwa ko bomaye briskema, gerizo na ye, alinga ko zala garde te, akwa ko zala geri, me sove te. Bandeko, sove te. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4, 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes, mais uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, Nzambe apambola bino tosuki na mateya na biso oyo titre na mwezali Bartimée décide d'abandonner son manteau en toute liberté. Bartimée décide d'abandonner son manteau en toute liberté, sans aucune pression. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans Hébreux 13, 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments
qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Hébreux 13, 9. Yom tozo na Biblia. Zwa yango tanga suna 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes des pères qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Messieurs, frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Je suis au 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 Pour ceux qui vivent en dehors de la France, 00 33 33 00 33 6 51 03 92 89. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez l'habitude de me suivre, je prie aussi pour vous. Soyez dans la joie. Merci. Merci beaucoup.